Vous asseoir. La séance est ouverte. Madame la ministre, Madame la sénatrice, Monsieur le chancelier de l'Institut, cher Xavier Darcos, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, cher Pascal Cossard, et Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, cher Étienne Guis, Mesdames et Messieurs les membres de l'Institut, chers consoeurs et chers confrères, Madame la présidente de la section de l'intérieur du Conseil d'État, Madame le maire du 5e arrondissement, Monsieur le conseiller de Paris, Monsieur le maire, Monsieur le directeur des Beaux-Arts de Paris, Monsieur le directeur du Mobilier national, Monsieur le directeur général de la Fondation Cartier, Madame la directrice du Musée de l'air et de l'espace, Madame la directrice du Centre national des arts plastiques, Monsieur le directeur du Musée des impressionnistes de Giverny, Madame la directrice de la communication de la Fondation Chuchenchun, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, et si vous me le permettez, chers amis. Au nom de l'Académie des Beaux-Arts, de notre vice-présidente Astrid de la Forêt, et de notre secrétaire perpétuel Laurent Petit-Girard, je vous souhaite la bienvenue au Palais de l'Institut de France. Nous tenons tout particulièrement à vous remercier de votre présence, nombreuse aujourd'hui. Nous sommes en effet d'autant plus heureux de vous accueillir aujourd'hui que cette séance marque la reprise, une reprise durable, nous l'espérons, des travaux académiques sous cette coupole. Si chacune des 5 académies qui constituent l'Institut de France n'ont pas cessé pendant toute la durée de la pandémie de travailler et d'assumer leur mission à distance et en visioconférence quand c'était nécessaire, nos activités plus solennelles, comme le sont les séances d'installation des nouveaux académiciens ou les remises des prix, ont été suspendues pendant plus d'un an. Ainsi, notre Académie des Beaux-Arts ne s'est pas réunie ici depuis le 5 février 2020, date à laquelle nous avions eu
le plaisir de recevoir notre confrère Frédéric Mitterrand dans la section cinéma et audiovisuel. Notre plaisir de vous retrouver est donc immense. Je donne maintenant, sans plus attendre, la parole à notre secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Gérard, de la section de composition musicale, pour quelques mots d'introduction. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher ami. Bien, mesdames et messieurs, au cours de cette séance du mercredi 7 juillet 2021, notre cher ami Fabrice Hibert, qui a été élu le 25 avril 2018 au fauteuil de notre regretté confrère Chut et Tchoun, sera officiellement installé comme membre de la section de peinture de notre compagnie. Je dois vous dire que pour beaucoup d'entre nous, même tous, c'est très émouvant, car Chut et Tchoun était un être lumineux, absolument formidable, qui nous a laissé un souvenir impérissable. Et c'était en plus un artiste, évidemment, de très très haut niveau. Notre protecteur, Monsieur le Président de la République, ne pouvait malheureusement pas assister à cette séance. Emmanuel Macron m'a chargé, ce que je fais avec plaisir, de transmettre ses plus chaleureuses félicitations et celles de son épouse, Madame Brigitte Macron, à Fabrice Hibert, dont il avait signé le décret approuvant son élection le 16 juillet 2018. Mais si vous m'y autorisez, cher Président, je souhaiterais profiter de cette occasion et de ces quelques mots pour saluer la présence parmi nous, pour la première fois sous cette coupole, de trois artistes, de trois femmes de talent, de grands talents, que notre Académie a élus il y a maintenant 15 jours. Je veux parler de Madame Anne Démian, élue dans la section d'architecture, de Madame Dominique Isserman, élue dans la section de photographie, et de Madame Anne Poirier, élue dans la section de sculpture. Alors évidemment, quand on parle d'Anne Poirier, on salue la présence de Patrick Poirier, qui est, chère madame, bien plus que votre mari, votre double, votre moitié, j'oserais dire, votre magnifique compagnon artistique. Par ailleurs, chère Anne, votre élection pose un grave problème à l'un d'entre nous, je dois vous le dire, c'est que notre cher confrère Pierre Caron, depuis la disparition de notre regretté Jean Cardot, était le dernier Grand Prix de Rome, titulaire du premier Grand Prix de Rome qui restait dans notre compagnie. Mais voilà, le premier Grand Prix de Rome a été supprimé en 1968 et vous avez eu la bonne idée en 1967 de recueillir ce dernier Grand Prix de Rome. Vous êtes désormais deux, ce qui évidemment nous fait un grand plaisir et est un grand honneur pour nous. Alors, il perd son titre, mais je sais qu'il se sent moins seul et qu'il vous en est reconnaissant. Alors, je veux vraiment vous dire à toutes les trois, chère Anne, chère Dominique, chère Anne, à quel point nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous félicitons de nous rejoindre et nous nous félicitons que vous ayez eu la bonne idée de poser votre candidature. Merci beaucoup et bravo. Alors, évidemment, on fait une petite entorse, car vous savez que un académicien ne devient académicien en titre que lorsque son élection est validée par un décret du président de la République. Je serais très étonné que cela prenne beaucoup de temps. Et dès que notre protecteur, Monsieur le Président de la République, aura signé le décret approuvant votre élection, eh bien, vous viendrez travailler avec nous et nous nous en réjouissons. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Vous avez choisi, cher Fabrice Hibert, notre C'est donc lui que j'appelle maintenant à rejoindre la tribune. Régis Campeau. Régis Campeau. Cher Régis, vous avez la parole. Monsieur, l'Académie vous reçoit sous la coupole aujourd'hui. Acceptez, cher Fabrice Hibert, ce discours étrange en son et lumière et qui vient d'un ami musicien. Je sollicite votre indulgence car j'aimerais faire avec vous l'école buissonnière et déambuler comme un gamin dans une forêt aux sentiers qui bifurquent. Vous êtes né, cher Hibert, en réalité en 1306. Cette année où Giotto achève les fresques de la chapelle de Scrovigni à Padoue,
C'est probablement vous, alors assistant de Giotto, qui avez peint les anges du jugement dernier. En particulier, ces deux anges en haut de la fresque, ces anges qui déplient le ciel comme un tapis. Vous avez toujours déplié le ciel, cher Hibert, voilà le fondement de votre art. Déployer un ciel d'où il n'y a pas de chute et où les noms des hommes demeurent fixés en l'air comme des étoiles. Et puis vous êtes né une seconde fois, le 12 juillet 1961, à Luçon, en Vendée. Votre père et votre mère, éleveurs de moutons, étaient à vos yeux de beaux amoureux, très indépendants et progressistes. Enfant, vous détournez les ruisseaux pour orienter les eaux de pluie vers d'autres buts secrets. Avec la terre, vous aimez faire des objets et semer des graines, comme des graines de conifères de votre chère grand-mère. Tout au long de votre adolescence, vous aimez faire d'étranges choses, inventer un perforateur à trous, ouvrir l'eau sans toucher le robinet, dessiner des affiches de slogans pour des manifestations d'éleveurs de moutons. Mais en 1971, à l'âge de 10 ans, votre première œuvre non officielle est un dessin de Kirill le clown et Ratibus. C'est vous en réalité qui étiez à la fois Kirill le clown et le chat Ratibus, jongleur, acrobate, prestigitateur et toujours souriant. Kirill le clown et le chat Ratibus, dimension 30 cm sur 43 cm, gouache et paillettes sur dos d'une boîte de chocolat Suchard en bois. Prix, nous consulter au 06 33 88 72 01 ou au 36 15 code Hibert Kiri. Vous découvrez alors le carré noir de Malevitch, qui est pour vous l'invention de l'écran de télévision éteint. À ce carré noir qui représente la vacuité de nos écrans d'aujourd'hui, vous répondez en 1981 par un autre carré, mais d'une couleur bien différente, une couleur chaude, viscérale, charnelle au possible. C'est le maître carré de rouge à lèvres, votre toute première peinture officielle. Un mélange, dites-vous, de rationnel et d'irrationnel, ni complètement conceptuel, ni complètement viscéral. En 1986, vous présentez votre première exposition personnelle, Mutation, à la Maison de l'Avocat de Nantes. Mutation, car vous passiez de l'état d'étudiant à celui de jeune artiste. Vous trouvez alors votre couleur, le fameux vert Hibert, dont le code hexadécimal de cette couleur se situe entre le 369A et le 375C. C'est pour vous le vert au printemps de la première pousse d'un arbre. Et cet arbre s'appelle le charme. Cette couleur verte, dites-vous, accompagnera votre travail toute votre vie comme votre seule obsession. Vous devenez hyper branché et vraiment, franchement, hyper productif. Depuis, des expositions vont s'enchaîner à travers le monde entier, Montréal, Limoges, Poitiers, Strasbourg, Tokyo, New York, San Francisco, Zurich, Bruges. Vous obtenez le prestigieux Lion d'or à la 47e Biennale de Venise en 1997. Et votre œuvre devient protéiforme et abondante, faite d'arbres qui cachent un réseau secret et souterrain. En 2013, au musée de Vitry-sur-Seine, vous présentez l'intégralité de vos fameux prototypes d'objets en fonctionnement, les POF. Plus de 150 objets réalisés entre 1991 et 2012. Des ballons carrés, des lunettes réversibles, une perruque radar, une piste d'atterrissage pour OVNI, un médicament pour rendre visible l'invisible, ou encore le TED Hibert. C'est drôle et absurde,
magistralement désinvolte, parfois aussi fou et invraisemblable que la réalisation de votre plus gros savon du monde de 22 tonnes. Le 17 avril 2003, dans un vol Mexico-Monterrey, on vous pose cette question. Crois-tu aux extraterrestres ? Vous répondez, je suis un extraterrestre. Et vous rajoutez, je ne suis pas le seul sur Terre, nous aussi. Pour vous, cher Hibert, un extraterrestre est un terrestre qui voyage. Vous voyagez, vous n'arrêtez pas de voyager. Pour vous, la Terre peut servir à autre chose qu'à l'exploiter, à autre chose qu'à s'autodétruire. Nous sommes des extraterriens, dites-vous. L'extraterrien se nourrit de tout, il transforme la paille en lait. Vous inventez alors de petits aliens, vos petits bonshommes en verre, vos fameux hommes de bessine, qui pissent par tous les trous, de partout, comme des passoires joyeuses dans des bassines. Vous aimez l'inachevé comme les œuvres inachevées de Gustave Moreau. Vous aimez le work in progress, l'univers et ses bords infinis. Alors vous devenez de plus en plus quantique. Vous êtes partout à la fois. Hyper ultra quantique. Hyper en continuelle téléportation. Vos peintures n'auront pas de bord, pas de limite, pas de frontières. Elles seront plus que des peintures. Elles seront des couloirs temporels, des labyrinthes borgésiens qui auront le bonheur de nous faire sourire. Car vous êtes un berger de la joie. Dès 1986 apparaissent alors vos fameuses peintures homéopathiques, qui sont le centre de votre art. Vos fameuses peintures homéopathiques seront vos symphonies. Elles seront des symphonies pastorales, tragiques, pathétiques, héroïques, fantastiques. Parmi ces fameuses peintures homéopathiques, l'une de vos favorites est la peinture numéro 30, appelée « Inhumain immortel ». Car j'en arrive maintenant à un point essentiel de mon discours. Accrochez-vous. Ces peintures homéopathiques forment un immense rhizome, un storyboard, un lieu où se trouvent tous les lieux de l'univers. Je vis par ces peintures toute l'œuvre de Hibert, comme à travers l'Aleph de Borges. L'Aleph, ce point où tous les points convergent, cet objet infini. Un catalogue irraisonné et complexe aux mille dimensions, racontant le passé, le présent et les futurs imparfaits. Je me suis penché vers ces peintures et j'ai glissé dedans. J'ai vu des masques, les plages du sud de la Vendée, des huîtres, des perles, des mousses, de l'humus, du laurier, du jasmin et du fenouil marin. Je vis une peinture dans sa peinture, le jardin des délices de Jérôme Bosch, avec ses animaux, ses personnages bizarres, et sa couleur verte. Je vis alors tous vos visages et le mien. Plongez-vous encore avec moi dans ces peintures homéopathiques. Vous verrez, comme je le vis, Fabrice Hibert semer 100 000 arbres dans la vallée de son enfance. Une forêt aux 900 essences différentes. Des arbres semés pour vos parents. Quoi de plus beau que d'offrir une forêt à ses parents ? Je ressentis une vénération infinie devant ces peintures, mais j'eus le vertige, car je vis froidement la vie, la mort, les bactéries, les levures, les protozoaires et les virus, le bien et le mal. Je vis à travers vos peintures le futur. Je vis durant l'année 2167 un livre. Ce livre, c'était la 7e autobiographie d'Orlan, dont le titre était « Oui, je suis toujours là », aux éditions Gallimard. Dans la 7e autobiographie de votre ami Orlan, je lis au hasard des pages ce passage sur vous, Fabrice Hibert. « Je suis contre la mort, je suis contre la mort, ça fait trop longtemps que ça dure, la mort est inacceptable, devenons immortels comme Fabrice Hibert. Hibert est devenu immortel, lui. » Fin de citation. Je me replonge dans vos peintures homéopathiques, cher Hibert, et je voyage encore, et je découvre encore des choses secrètes.
Regardez bien au tréfonds de ces peintures un carré dessiné dans un coin. C'est un faire-part sur lequel est écrit « Fabrice se marie avec Pierre et Pierre avec Fabrice ». Et puis dans vos peintures, je vis à l'orée d'une forêt vos parents et vous, un presque toujours enfant. Je vous vis une main nonchalamment posée sur vos hanches, criblée d'eau, se démultipliant tel un mutant sage. Hibert le mutant sage, un presque ange, qui déploie son univers, un inconcevable unibert. J'entendis même dans vos peintures des brindilles craquelant sur mes pas, dans l'une de vos forêts, et aussi des murmures de rivières détournées. Alors, j'entendis, paraît-il, du Wagner et du Brahms, je ne sais pas tellement. J'entendis aussi dans vos peintures la voix hystérique de Nina Hagen que vous aimez. Puis j'entendis le balancier d'une horloge comtoise. J'entendis aussi des voix d'extraterrestres avec de la musique contemporaine. J'entendis surtout, enfoui dans vos peintures, une certaine chanson de Françoise Hardy. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex. Vous savez, cher Fabrice Hibert, qu'il ne faut jamais dire adieu sous aucun prétexte. Chaque artiste est un héros complexe, qui ne dira jamais adieu et n'aura pas de Kleenex sous aucun prétexte. En observant une dernière fois vos peintures homéopathiques, je crus vous voir, cher Hibert, sous la coupole, durant votre cérémonie d'installation, un certain mercredi 7 juillet 2021. Je vis tous vos amis, artistes, vignerons, paysans, jardiniers, bergers, et même des amis hauts fonctionnaires qui ne dormaient pas. Je me vis alors vous dire, soyez le bienvenu parmi nous. Je vous vis ému avec vos confrères de la section peinture, les Bustamante, Caron, Garel, Garouste, Meurice, Milcan de Rougemont, avec leurs regards de feu et qui brillent. Je les admire et je les aime, vos amis peintres, avec leur géniale vexation et leur fulgurance. Vous serez en très bonne compagnie. Je me vis enfin, cher Hibert, lire mon propre discours, vous rendant hommage sous la coupole. Un discours en forme de branches, de lions, de serpents, de Kiri le clown et de Ratibus le chat, mais surtout un discours en forme de clairière, verte, lumineuse et joyeuse. Soyez le bienvenu parmi nous.
Merci, chers confrères. Mesdames et messieurs, l'usage et les statuts de notre compagnie veulent que l'intervention de chaque nouvel académicien soit notamment l'occasion de prononcer l'éloge posthume de son prédécesseur et qu'il en rappelle ainsi sa vie et son œuvre. Cher Fabrice Hiver, je vous invite donc maintenant à rejoindre la tribune. Qu'il nous soit permis, par votre intermédiaire, de rendre hommage à notre regretté confrère Chu Chen-chun, qui avait été installé sous cette même coupole le mercredi 3 février 1999 par notre regretté confrère Jean Cardot. Cher Fabrice Hiver, vous avez maintenant la parole. Merci beaucoup, cher Président. Mesdames, Messieurs, merci, cher Régis Campeau. Vous avez dit quantique, donc impalpable, incernable, non détectable, parfois incontrôlable, comme une arbre que je veux être de réconciliation massive, dans une grande joie. On m'avait prévenu d'un moment d'initiative difficile à passer. Ça, c'est vrai, hein. Je peux vous l'assurer. Je le repoussais depuis avril 2018, vous comprenez pourquoi, date à laquelle vous m'avez élu parmi vous, à quelques jours de mon mariage avec le poète Pierre Jekyll. Puis cela devenait très long, un peu trop long. La Covid s'est mise à rallonger le temps. La Covid m'a fait imaginer un autre scénario. Peut-être nous reverrions-nous plus. Dès qu'une date de retrouvailles est apparue, je m'y suis engouffré. Ensemble, nous avons accéléré la cadence, car je voulais vous le dire et que mes amis ici présents le sachent, c'est une joie de réaliser un rêve que j'avais dit tout haut à une amie qui m'avait fait visiter l'Académie en 2005. C'est un rêve qui se réalise, pourquoi celui de pouvoir faire d'ici un nouveau centre de mon monde. C'est un honneur de me voir installé parmi vous. Aujourd'hui, vu de l'espace, l'inconnu que représentait l'Académie s'estompe vite à votre contact. Vous êtes bien vivant. Tous différents dans vos passions, qui sont vos raisons de vivre. Plus qu'un métier, ce sont des attitudes entières et vibrantes qui sont ici rassemblées. Je vous le dis, chers amis, mes confrères sont des artistes dévoués. L'Académie est là pour protéger et partager nos activités, nos droits, nos rêves, nos enseignements et nos réalisations. Et ça, depuis le 27 janvier 1648. Ils sont les gardiens créatifs, parfois vertigineux et tenaces, surtout, de nos inventions. J'apprends à vos côtés qu'il y a de nombreuses différences dans les arts et que les pratiques artistiques, comme toutes les formes, peuvent coexister. À mes débuts, j'ai fréquenté un milieu de l'art unique, l'art contemporain, que j'ai souhaité contribuer à ouvrir par ma pratique. C'est bien pour cette raison que très vite, au début de la mise en place de mes œuvres, j'ai voulu décloisonner les genres. Mes sources d'inspiration sont les mathématiques, puis les sciences dans leur complexité, les sciences pures comme les sciences naturelles. Privilégiant l'expérience à la théorie, je mets en place un vocabulaire allant de l'agriculture à la recherche fondamentale. J'aime collaborer avec des spécialistes de tous les milieux, autant de gens inspirés par leur discipline et investis dans ce grand rêve de changer le monde que nous avons en commun. Je salue ici Pascal Cossard, Étienne Gis, Olivier Schwartz et Henri Poincaré, immenses collaborateurs et sources d'inspiration. Je veux, avec des amis, montrer et démontrer toutes ces possibilités d'inspiration par des dialogues nourrissants, des collaborations. Mon art et ma pratique se sont inspirés de toutes ces rencontres. Parallèlement, mon application dans l'écologisation de la culture pour trouver un équilibre entre les femmes et les hommes et la diversité est également un sujet qui prend tout son sens dans mes travaux tels que la Villette avec l'artère, le jardin des dessins. Une invitation qui m'a permis de développer le passage du micro au macro et qui inspire toujours mes recherches actuelles. Puis en semant une forêt en Vendée, là où je suis né, j'ai réalisé il y a plus de 20 ans une expérience ouverte que je souhaite encore aujourd'hui, qui je souhaite encore sera inspirée d'autres.
Soutenus par mes parents, ensemble, nous avons voulu redonner des lettres de noblesse à une France rurale en ensemençant notre vallée d'essence d'arbres comme autant de cathédrales du vivant. Je salue ici les représentants de la Vendée. Un terreau où j'ai pris racine et qu'à mon tour, je souhaite partager. Apprendre de ce que je fais, voilà une attitude que j'ai retrouvée très tôt chez d'autres personnalités qui créent non pas des œuvres mais des entreprises de tout ordre, des ingénieurs, des commerçants, des jardiniers, des financiers. L'analogie entre le monde de l'entreprise et celui des artistes a été très tôt une évidence, pour le meilleur comme pour le pire. Le désir d'aller voir ailleurs ce qui manque ici. C'est sans doute le cas de Shute Shun, mon prédécesseur, au fauteuil numéro 9 de la section de peinture de l'Académie des Beaux-Arts, qui a su jumeler deux territoires. Je ne l'ai pas rencontré, et son œuvre m'était étrangère, jusqu'à ce que, la semaine suivant mon élection, j'aille à Athènes avec une amie, et que là, je découvre deux aquarelles qui lui étaient attribuées. C'était un signe. Puis j'ai commencé à chercher des images sur tous les supports, catalogues, Internet, trop peu de documents sur son œuvre. Puis j'ai découvert que plusieurs de mes amis avaient possédé des tableaux de ses tableaux. Ils me parlaient d'un homme sympathique et silencieux. J'avais cette image de son œuvre. Je voyais une abstraction douce, sans violence, onctueuse, colorée. Juste avant le premier confinement, j'ai rencontré, via Instagram, l'organisation de la Fondation Shute Shun et Léa Wu, chargée de la communication de la Fondation, qui m'a très vite convié à un rendez-vous. Et là, j'ai pu rencontrer le fils de Shute Shun, Yvon, et sa compagne Anna Valérie. J'avais l'impression de voir un cousin très, très lointain, sympathique, avec de l'humour et joyeux. J'ai compris alors qu'il était question d'une histoire de famille, d'une dynastie naissante, voire renaissante. En effet, Shute Shun est né le 24 octobre 1920 en Chine. Et entre les confinements, nous avions l'intention de fêter ses 100 ans, la même semaine qu'une présentation d'une proposition de date pour cette installation. Excusez-moi. Finalement, ce sont mes 60 ans qui seront fêtés la semaine prochaine. Il est né à Baituzhen, dans le district de Xiaoxian, que l'on nomme aussi le pays de l'eau. Ça tombe bien. Tout vert et tout doux, avec une température constante, le rêve. Dans une famille de lettrés et de collectionneurs de peintures traditionnelles. Avec un goût certain pour la calligraphie, initié dès son plus jeune âge, il débuta sa formation à l'Académie des Beaux-Arts de Hangzhou, à 600 km au sud de sa ville natale. Il y découvre des images de peintres occidentaux. Dans la peinture traditionnelle chinoise, les gestes existent dans le corps de l'artiste avant d'être posés, jetés, déposés sur le support. Il faut une très grande retenue pour que l'essentiel du mouvement, s'il est inexact, ne fasse pas casser la branche avant qu'elle ne soit dessinée. Shute Shun avait vu des images d'artistes occidentaux qui le hantaient. La longue traversée d'un pays en pleine transformation, riche de tant d'images, a permis à Shute Shun d'engranger une multitude de couleurs, de formes et de possibilités. Cette traversée de la Chine en furie nourrit davantage son désir intérieur de ne faire qu'un avec le paysage. Il s'évade des violences en plongeant dans les paysages qu'il découvre, dans une traversée folle en bateau, au cours de laquelle il perd toutes ses œuvres. L'exode durant la guerre et la découverte de la Chine du Sud-Ouest, entre 1937 et 1940, l'a beaucoup nourri. De son aptitude à la calligraphie jusqu'à la reproduction d'un paysage ancien, Shute Shun voit ses bases ébranlées. Puis c'est le grand bond, la grande hybridation qui commence. Il retrouve son équilibre lorsqu'il arrive à Taïwan en 1944, où il commence une carrière de professeur dans une école d'architecture, et puis aux Beaux-Arts, et devient un peintre officiel. À la force de la trentaine passée, le désir de connaître l'Occident l'incite à partir à Paris. Il quitte Taïwan avec l'idée de rentrer un an plus tard. C'est un aller-retour pour 28 ans plus tard. Sur le bateau, passant par l'Asie, le Sud-Est, puis au Moyen-Orient, il rencontre Thérèse, son ancienne élève, avec laquelle il débarque enfin à Marseille en mai 1955. Il s'installe à Paris, commence alors un long temps d'accommodement à la vie occidentale. Des paysages verdoyants au départ sont remplacés par les rues et les silhouettes d'arbres. Le minéral remplace l'organique. Il absorbe tout, le Louvre, les ateliers de la Grande Chaumière et toutes les expositions. Son seul but est d'écrire tous ces changements.
Il se nourrit de toutes les possibilités que lui offre Paris, essayant de mêler peu à peu son héritage chinois aux formes occidentales. Il travaille d'arrache-pied en traçant de multiples tableaux de ses gestes chercheurs. Il veut rendre visibles les deux mondes ensemble, sans rupture, insistant et persévérant, pardon, comme il l'a appris là-bas. Il travaille autant qu'il le peut, vivant de contrats auprès de marchands le soutenant. Ses inspirations sont Nicolas de Staël, un choc qui attise son choix pour l'abstraction, puis Cézanne et Rembrandt pour le clair-obscur qu'il découvre à Amsterdam, et sans aucun doute d'autres peintres comme Georges Latour ou Georges Mathieu, académicien également, avec ses tableaux performances. Son but étant de sans cesse trouver la façon de recoudre les morceaux de ce monde coupé en deux, entre l'Orient et l'Occident. Il veut que ses œuvres se conservent, il en fait l'archivage. Ce sont des témoignages de morceaux de sa vie, des empreintes de sa pensée, des particules d'être. L'aura du tableau est pour lui vitale. Donc, cher Xu Teixun, vous voilà de retour sur la coupole. Là, j'ai fait. La Fondation Xu Teixun nous a prêté pour la journée un tableau qui s'appelle Céleste fraîcheur de 2006. À lui seul, le titre rassemble l'Orient et l'Occident. C'est un condensé de l'écriture qu'il a inventée à Paris, dans laquelle ressurgit son apprentissage chinois, matiné de couleurs occidentales. Vous voyez ce tableau à la dimension d'un humain, grand comme il l'était. C'est son fils Yvon qu'il a choisi pour nous aujourd'hui. Alors j'ai appris aujourd'hui seulement, en voyant, découvrant le tableau, que Yvon Chou avait choisi ce tableau en fonction des couleurs qui étaient déjà dans mes tableaux. Donc c'est un double hommage qui m'a fait beaucoup touché. Je suis donc très ému. Et quand j'ai vu ce tableau, j'ai pensé aussi parler de la matière du tableau, du châssis en fait, qui est une invention incroyable qui permet de transporter dans un écrin toujours trop petit l'œuvre, un bout de l'œuvre plus grand qu'un papier, moins lourd qu'un mur. Transporter un geste, voilà une question de physique moléculaire. La téléportation peut-être. Mais aussi une question d'architecture, de musique, de photographie, de cinéma, de chorégraphie, de sculpture, de dessin ou encore de poésie, et même de politique, donc un sujet de l'Institut de France tout en son entier. L'artiste est un créateur et un chercheur. L'art prend racine dans les sciences humaines. L'art est fondamentalement nécessaire. L'artiste trouve des formes qui le surprennent dans des vertiges qui l'enchantent et enchantent ses amis. Oui, l'art, c'est aussi le moment où il se réalise. Curieux et culotté, l'artiste rapidement s'intéresse à toutes les sphères pour, à son tour, les revisiter, les interroger et pour les porter vers les publics. Pour redonner le sens, il a le rôle de passeur. L'artiste est l'interface vivant entre les univers. Les œuvres d'art sont des formes molles qui absorbent nos chocs. Ce sont des inventions qui nous aident à comprendre de nouvelles situations. Cela commence par des tableaux que je réalise sans gêne et pour lesquels j'ai besoin d'autres compétences et savoirs pour continuer. Les œuvres deviennent alors des nœuds de recherche. Tout est possible dans un tableau. Illustrer, démontrer, présenter, représenter, c'est comme ça, en mêlant toutes les possibilités, que j'ai développé un travail sans fin, constamment ouvert. J'ai même peur parfois de perdre mes repères. Alors je m'arrête et je partage. Par exemple, dans des expositions dont j'ai épuisé beaucoup de formes et possibilités, mutations et pollutions, dont Régis a parlé tout à l'heure, les titres de mes deux premières expositions, puis Libermarché, transformant le musée d'art moderne de la ville de Paris en supermarché, Testou ou At Your Own Risk avec des POF de New York à Hambourg où les publics pouvaient tester mes œuvres, les refaire et parfois les user, ou encore Je sème, S'AIME, en semant des graines de fruits et de légumes dans tout Tokyo. Puis imaginer des rallyes pour faire sortir les œuvres des lieux d'art conventionnels, afin d'activer tous nos sens et appréhender les attitudes artistiques différentes, faire partager le bonheur de créer. J'ai imaginé et créé une entreprise, et plusieurs au début des années 90. Ne dit-on pas un créateur d'entreprise ? Puis ces sites internet, et encore des chaînes de télévision, puis des cabarets.
Et parallèlement, une autre expérience rythme ma vie, la forêt que j'ai semée avec mes parents, ou semé une graine, des graines d'arbres, et elles poussent. Regardez, hop, ça pousse. J'ai essayé de montrer des éléments communs avec les œuvres des artistes peintres du fauteuil numéro 9 de la section de peinture de l'Académie des Beaux-Arts. Outre Shoot et Choum, où le paysage est un sujet commun, l'écriture hybridée entre présentation et représentation, entre la lettre et l'image, est une obsession commune. À ma façon, j'ai dessiné la pluie comme elle tombe, tandis que lui retrouvait le geste du vent dans ses grands coups de pinceau. D'ailleurs, on le voit ici dans le tableau qui est ici présent. Il y a aussi Gustave Moreau, au fauteuil numéro 9 également, dont les tableaux apparemment non finis, naissant d'un chaos organique, m'ont nourri. À mon tour, j'imagine depuis longtemps faire une présentation de mes tableaux non finis. Pas facile, car à chaque fois que le tableau est montré, il devient vite fini, digéré par nos yeux. Dès que je dessine, j'ai l'impression que je peux résoudre quelque chose comme un chercheur. Alors j'écris des débuts d'équations sur tous les tableaux ou sur tous les papiers. Mes dessins sont des inventions mentales qui, je le crois, existent déjà, existeront quelque part. Il y a aussi une passion, celle de l'archivage, comme Gustave Moreau qui a imaginé son musée, ou Shoot et Choum qui a minutieusement archivé toutes ses œuvres. J'ai depuis longtemps archivé tout mon travail comme un écureuil. En plus d'une accumulation d'objets, c'est également un ensemble de nouveaux comportements et de nouvelles écoles, de nouvelles entreprises que j'ai créées. Et j'aimerais créer un lieu pour activer tout ça, un musée, école, cantine du XXIe siècle, entre l'hybridation et le mutant. L'art nous aide à vivre, c'est une nourriture. D'ailleurs, le sujet de la nourriture est un de mes sujets. Imaginons manger le paysage. L'art est de l'ordre de la recherche fondamentale à la pointe. C'est à cela que j'aspire. Il peut être réfléchi ou expressionniste. Son but premier est de faire évoluer une civilisation. Un art est toujours vertigineux. En réinventant sans cesse le monde en permanence. Pour qu'il soit compréhensible, il faut pour cela le partager très tôt, et j'imagine même l'enseignement des arts obligatoires, ce serait vital. J'aime à penser que l'artiste a l'obligation d'apporter la joie et de redonner la liberté. « Il est interdit de mourir » est le titre d'un de mes livres, « 1 = 2 », un autre livre, et ma devise également, « 1 = 2 », je vous en parlerai tout à l'heure. L'artiste est là pour apporter de la beauté dans les questionnements, les entre-deux, les non-finis, les indéfinis. Ces doutes sont ses matières. Le terrain de jeu sont le monde. Comme un virus, il n'a pas de frontières. Les artistes demeurent des porteurs de messages qui n'hésitent pas à traverser les murs, à porter leur regard parfois osé, voire gonflé, sur tout. Les artistes sont des migrants, des voyageurs, des transmetteurs. Tous les moyens vitaux sont bons pour faire naître des œuvres. Rien n'est gagné, tout est à la limite de disparaître, absorbé dans un magma. C'est curieux, j'ai plus. Il y a un papier qui est disparu. Bon, c'est pas grave, en tous les cas, juste pour. Ah, c'est ça, d'accord, merci. C'est curieux, hein. Ah oui, alors c'est pas le même. Depuis longtemps, j'ai aimé voyager. Voilà, c'est ça. J'ai aimé apporter des informations avec moi dans les deux sens, de la Norvège à la Vendée, puis du Japon à la Vendée, et ainsi de suite pour tous les pays du monde. Imaginons qu'un monde global ou un temps global généralisé, on y arrive en tous les cas. Aller travailler sur place pour trouver dans les paysages des éléments communs à ceux que je connais déjà, participer à un grand mixage global. Je me suis posé des questions à chaque fois de ma responsabilité, des conséquences de mes actions, des efforts, des moyens de production, des fabrications, des dommages collatéraux de mes actions. Cela donne naissance évidemment à d'autres œuvres, puis ça s'accélère. Mais que peut-on faire pour que la vie ne s'arrête pas, sinon activer tout ? Voilà.
Chers confrères, soyez le bienvenu dans notre académie. Soyez le bienvenu dans notre compagnie. Merci d'avoir... Merci d'avoir si magnifiquement rendu hommage à Chu Chen-chun. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir bien voulu assister aussi nombreux à cette séance d'installation. Dans un instant, son épée d'académicien sera remise ici même à notre confrère Fabrice Ibert au cours d'une cérémonie amicale et moins formelle. Je vous demande donc, mesdames et messieurs, de bien vouloir conserver votre place, même si je déclare officiellement que cette séance d'installation est levée. Bien, merci, Monsieur le Président. D'abord, mesdames, messieurs, si qui que ce soit doute ici du fait que Fabrice avait égaré une pave, n'oubliez pas que c'est un artiste conceptuel et que le fait de faire un discours dont il manque une pave est un concept en soi parfaitement bien réalisé, bien évidemment. Hein ? Alors, cher Fabrice, cher confrère, vous avez choisi, choix judicieux, notre confrère Jean-Michel Villemotte, membre de la section d'architecture de notre compagnie, pour vous remettre votre épée d'académicien. Donc, cher Jean-Michel, je vous remercie de rejoindre Fabrice Ibert à cette tribune et de nous décrire cet étrange objet. L'objet n'est pas virtuel. Non, d'accord. À vrai dire, il a cassé des faits, là. Je ne pensais pas vous la montrer comme ça. Cher Fabrice, c'est un bel honneur de te remettre ton épée ici, sous cette majestueuse coupole, devant tes amis, ta famille et tes admirateurs. Et ils sont très nombreux. Je vous ai parlé d'épée, et pourtant, ce n'est pas une épée. Et donc, elle est arrivée ici. Cette épée, en réalité, c'est un bâton de bois d'1,75 m de haut, taillé dans du cormier. Ce cormier, en réalité, c'est un arbre très particulier qui a été semé par Fabrice et aussi ses parents, et qui a poussé dans la Vendée, dans sa Vendée natale. Il a semé il y a 30 ans. C'est un bois rare dans lequel on taille pour faire les engrenages pour les moulins à vent. Et je voulais faire un petit clin d'œil à Laurent Petit-Girard parce que finalement, le moulin à vent, c'est un peu l'ancêtre de l'éolienne. Donc, comme c'est la préoccupation du moment, je voulais lui rappeler ce petit passage. Ce bâton te ressemble, droit, solide et élégant. Ce bâton est un bâton de marche, une canne, une aide, un soutien. Il est bâton de berger qui te rattache à tes racines pastorales puisque ta famille élevait des moutons en Vendée. Il est aussi le bâton de défense, car la canne de combat est une arme ancienne et donc est née l'art martial qui est bien français, toi qui es tout sauf un violent. Il est enfin un bâton d'apparat et marque de mode. Cette canne qui a fini par remplacer l'épée aussi symbolise l'autorité. Bâton de chef, crosse papale, bâton de maréchal et j'en passe. La canne de Fabrice, dans sa rusticité, est plutôt le compagnon de route de celui qui arpente inlassablement la forêt vendéenne et les forêts imaginaires. Cette canne aussi est son outil. Puisque tu as caché au cœur, on peut le montrer maintenant, tu as caché au cœur de cette canne un fusain. Outil d'écriture et de dessin. Oui, je suis en train de... Oh là. Oui, ça s'enlève. Ou critique, donc machine à penser. Le fusain est lui aussi directement issu de la forêt. Oui.
Il est la synthèse de ton travail, l'arbre et l'écrit, la forêt et le dessin. Le fusain est à l'origine de l'histoire, chacun le sait, le fusain, ou tout au moins le bois calciné, a vu naître les premiers dessins, a ouvert la porte plus tard à l'écriture et donc préfigure le passage de la préhistoire à l'histoire. Le fusain est tout en carbone, est un fabuleux outil à raconter. En choisissant le loger au cœur de ta branche canne, un fusain, tu as symbolisé la totalité des racines de ton travail, de ta création et de ta démarche. Cher Fabrice, puisse cette canne t'accompagner longtemps sur le chemin inépuisable de ton talent et de ton désir de transmettre. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci beaucoup, cher Jean-Michel. J'étais très heureux que tu me remettes l'épée, enfin le bâton. En fait, je dois ajouter quelque chose pour le bâton. En fait, c'est exactement 1m75, c'est ma taille. Donc voilà, c'est une mesure. C'est juste le fusain, il est brûlé dans la vallée. Et il y a une petite note en plus. C'est juste ma devise qui est juste ici, dont je t'ai pas parlé, qui est 1 = 2, qui est ma devise parce que 1 - 1 = 2. Voilà. Alors, mesdames, merci, bravo. Et mesdames, messieurs, chers amis, d'abord, je vous remercie encore une fois d'être venus entouré de votre amitié, notre nouveau confrère pour cette séance d'installation, même si nous avons déjà le bonheur de profiter de sa présence depuis de très nombreux mois. Je souhaite évidemment en profiter pour remercier l'ensemble des agents de notre académie, également la galerie de nous avoir prêté ce magnifique tableau, et tous les agents de l'académie et de l'institut qui ont contribué à l'organisation de cette séance, ainsi que le détachement de la garde républicaine pour leur présence. Alors, une réception va maintenant être donnée dans les salons de la cour d'honneur du palais. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont vraiment voulu venir, même au milieu d'activités, et ont déjà des rendez-vous dès 5h de l'après-midi. À cela, je signale que un des amis les plus proches et les plus chers de Fabrice Hibert, c'est Guy Savoie, et qu'il est pour quelque chose dans ce qui va se passer là-bas. Mais si vous voulez partir, vous pouvez partir. Hein ? Voilà. Alors, je vous demande simplement de garder pour un instant votre place et votre masque, ce que nous allons faire à notre tour, encore quelques instants, le temps que notre nouveau confrère et l'ensemble des membres de l'Institut quittent cette coupole. Ce n'est pas du tout pour des questions de préséance, c'est pour des questions d'hygiène qu'on nous demande, et on se réjouit de vous retrouver très vite dans la cour d'honneur. Merci beaucoup.